Là, c'est la fête du basket. Il y a plein de matchs. Et là, il y a des danseuses qui sont venues et tout le monde commence à venir. Vas-y, hein. On est extrêmement fiers du club de basket des Hauts-de-Rouen qui depuis 3 ans maintenant s'organise, se structure, organise cette compétition conviviale, dans la bonne humeur, en musique. Et bien ça c'est vraiment une belle attractivité pour le quartier, une belle image du sport, une belle image du basket. On est extrêmement heureux de soutenir le club tout simplement, que ce soit la ville, la région et tous les partenaires. Voilà, l'objectif c'était de faire une fête et une fois de plus, elle est réussie. Ça a été violent. Aux Jeux Olympiques, pendant 15 jours, il y a le village olympique. Et dans le village olympique, vous avez toutes les nations du monde. Vous avez des blancs, vous avez des noirs, vous avez des marrons, vous avez des jaunes, vous avez toutes les ethnies, toutes les religions, toutes les cultures, vous avez tout le monde entier qui est représenté. Et en réalité, pendant 15 jours, tout ce monde-là, avec ses différences, il est capable de faire le plus beau spectacle du monde. Ça prouve bien que lorsqu'on a une passion commune, lorsqu'on est capable de faire des choses ensemble, on réussit, l'humain réussit en général. Voilà. Et moi j'ai remarqué qu'il y avait une richesse dans ce village olympique qui était incroyable. Et elle réside justement dans cette différence. Les différences qu'on peut avoir les uns les autres, en réalité, c'est une richesse, c'est un avantage, c'est un atout. Voilà. Parce qu'on fait progresser les autres en les regardant, en les écoutant et en les comprenant. Et quand on fait progresser les autres, on progresse soi-même. Et vice-versa, ça a des chances. On nous laisse confier dans nos thèses, mais nous on aime notre vie. Quand pour d'autres, elle est synonyme de stress. Non, chez nous c'est multicolore et varié. Sont les parfums que tu pourras sentir sur nos paliers. Yo, quand tu vis ici et qu'on te dit t'es pas chez toi, que tu retournes là-bas et qu'on te dit t'es plus chez toi. Dis-moi, il te reste quoi à part toi, ta famille, si t'en as une. La foi comme seule arme et fortune. Chez nous, tu seras toujours bien accueilli. Loin de la ville de Neuilly, plat de riz ou de nouilles. C'est dans la différence de culture qu'on baigne et qu'on se mouille. Viens sentir cette chaleur humaine qui peut parfumer la vie comme le riz et le cumin. Sans rire, on est humain, héritier d'une culture goût de sable. Et on reconçoit amis, la capelle, Roy de Nuit.